Chers amis, je voudrais prolonger un petit peu la réflexion sur la paracha Mishpatim en posant en quelque sorte citoyenneté et judaïsme. Voilà, c'est un peu le titre que j'ai voulu choisir, citoyenneté et judaïsme, parce qu'on me pose souvent des questions dans ce domaine. Et on pourrait même penser, est-ce qu'il existe une manière de manifester pour des revendications qui sont légitimes du point de vue de la Torah, hein? Voilà. Et donc, à partir de la paracha de Mishpatim et d'autres textes aussi, d'autres versets, on pourrait dégager une éthique du comportement, des droits et devoirs, et même des revendications. Et d'abord, le premier principe, c'est que quand on est citoyen, et quand bien sûr qu'on veut vivre sur le principe de la Torah, ou disons de la transcendance de Dieu, hein, ben, le premier principe, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça peut être utopique, ça peut faire sourire, mais au fond, c'est l'idéal de la Torah, d'ailleurs qui sera repris plus tard par Jésus, quand on l'interroge sur les fondements de la Torah, il dit, ben, les deux versets essentiels, c'est tu aimeras Hachem, ve'ahavta et Hachem Elohecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Rabbi Akiba, donc, qui a vécu une cinquantaine d'années après, eh bien, dit l'essentiel de la Torah, hein, Klal Gadol, le grand principe de la Torah, c'est Ve'ahavta l'Rakha Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est pas seulement de la bondieuserie, c'est que l'idéal de la Torah, l'idéal de la vie religieuse, eh bien, c'est cet amour. Hein, cet amour qui est finalement de dégager toute la haine ou toutes les rancœurs. Que nous, ou les mauvais sentiments que nous pourrions avoir vis-à-vis de notre prochain pour arriver à cet amour. C'est important d'avoir un objectif, même si ça peut paraître difficile, mais on sait que c'est notre objectif et on essaye d'aller vers cela et d'essayer de répandre cet amour du prochain envers tout homme, hein, parce que tout homme est créé à l'image de Dieu. Mais dans la paracha de la semaine, de la paracha Mishpatim, il y a aussi des enseignements intéressants justement par rapport à ceux qui pourraient apparaître comme nos ennemis. Par exemple, dans le chapitre 23, nous lisons au verset 4, Ki tivga shor o yifra o chamoro toé, achève teshivinu lo. Teshivenu lo. Voilà. C'est-à-dire, si tu rencontres, si tu vois le bœuf de ton ennemi, au Yifra, ou bien son âne, Toé, qui est égaré, achève, ramené, tu le ramèneras vers lui. C'est-à-dire, tu peux avoir quelqu'un envers qui tu as de la haine parce qu'il t'a fait un mauvais coup, parce que tu ne le supportes pas. Voilà. Mais la Torah elle dit, parce qu'il faut arriver à Ve'ahavta l'Rakha Kamocha. Si tu vois le bœuf ou l'âne, bon, c'est-à-dire les moyens de déplacement de l'époque, voilà, je ne sais pas, vous trouvez la mobylette de votre voisin, hein, puis vous êtes disputé avec lui, votre voisin de palier, hein, et puis on lui a volé sa moto. Alors on pourrait dire, bah, c'est bien fait pour toi, bah, je suis content. Bah non, la Torah nous dit, bah, si tu vois. Tu trouves la voiture ou la moto de ton voisin, même si tu as une rancœur à son égard, eh bien, ou à son encontre plutôt, eh bien, à ce moment-là, la Torah dit, achève, teshivenu lo, tu lui rapporteras. Et peut-être par là, cette rancœur, elle va se transformer en amitié et en amour du prochain. Et le verset suivant, le verset 5, Qui tire et ramor sonahara rovetz tachat masao et chadalta me azovlo azov ta azov imo. Si tu vois l'âne, encore une fois, de ton ennemi, hein, ployé sous sa charge, eh bien, garde-toi de l'abandonner, de laisser tomber cet âne, parce que c'est l'âne de ton ennemi. Que tu considères comme tel, mais au contraire, Azov ta Azovimo, avec cette répétition, hein, hébraïque, aider, tu l'aideras à décharger ou à faciliter le déplacement de cette âne. C'est également une situation, on voit quelqu'un
ou l'âne de son voisin qui a des problèmes, et à cause de notre rancune, rancœur, ces mouvements, ces sentiments négatifs, eh bien, on voudrait laisser l'autre dans sa souffrance. Et la Torah dit non, c'est pas comme ça qu'on se conduit. Voilà, il faut l'aider. Alors, prenons un exemple concret. Je sais pas, votre voisin de palier, encore une fois, hein, décidément, vous n'avez pas de chance avec lui, hein, et ben, il vous a fait une crasse, ou je sais pas, il a fait du bruit, la fête jusqu'à 2 h du matin, c'est insupportable. Et vous ne pouvez pas éteindre un petit peu la sono, là, on travaille demain. Enfin, vous connaissez ce genre de problème. Et le lendemain, vous descendez, vous avez des cernes sous les yeux, voilà, vous marchez avec des allumettes, hein, et puis, vous le voyez. En train de changer un pneu de voiture. Eh bien, vous allez dire, ah, c'est bien fait pour lui, on lui a crevé le pneu. Ben non, dites pas c'est bien fait pour lui. Vous dites, ben, je vais vous donner un coup de main. Ben oui, on s'est disputé, mais la dispute, c'est pas l'idéal de la Torah. L'idéal de la Torah, c'est l'amour du prochain, c'est l'entraide. Et aussi, des fois, on entend, même des fois dans les manifestations, et c'est, je prends pas parti pour un président ou un autre, hein, c'est pour la Torah, elle dit que Elohim lo tekalel venasi be'amecha lo ta'or. Ça veut dire le juge, parce que Elohim ça veut dire Dieu, mais ça peut être ici le juge, tu ne maudiras pas. Ça veut dire reconnaître l'autorité suprême qui fait la justice, et Nasi, le président dans ton peuple, tu ne le maudiras pas non plus. C'est-à-dire, il a été, bien sûr, on parle ici d'un état de droit. Voilà, on pourrait dire, il a été, le président a été nommé démocratiquement, donc c'est-à-dire, faut suivre la majorité, d'ailleurs ce que dit la Torah aussi, hein, elle dit, Ahare Rabbim Le'atot, faut suivre la majorité, même si la minorité n'est pas d'accord, hein, il y a une certaine déontologie du respect. Donc vous voyez, ce sont quelques exemples de la Torah, que le citoyen idéal, c'est pas celui qui va exprimer la haine, mais celui qui va éventuellement même revendiquer, mais avec le respect de l'ordre, le respect de... Et on peut imaginer plutôt, imaginer par exemple une fraternité entre les gardiens de l'ordre et puis les citoyens, plutôt que d'envisager de tout casser, de jeter des pierres, de casser des vitrines, etc. Parce que les malheureux qui vont arriver le dimanche ou le lundi vont voir leurs vitrines cassées. Et voilà, ce sont aussi des gens qui travaillent pour la famille. Donc, évacuer cette haine. C'est ça l'idéal de la Torah. Maintenant, par rapport aux revendications, vous allez dire, oui, mais d'un autre côté, monsieur le rabbin, oui, mais il y en a qui n'arrivent pas à terminer la fin de mois, etc. Il faut pouvoir demander, et avec les réseaux sociaux, etc. C'est vrai, c'est une dignité de l'homme d'avoir son minimum vital. Et ça, nous l'apprenons de la Haftara de la semaine de Jérémie, chapitre 34. Ça aussi, c'est intéressant. Parce que la Torah nous dit que tous les 7 ans et tous les 50 ans, il fallait libérer les esclaves. Les esclaves, c'est-à-dire des gens qui étaient mis au travail, en esclavage, ça veut dire au service de ceux qu'ils avaient volés, parce qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Donc plutôt que de les mettre en prison, ils font du service social et ils travaillent chez celui qui a été volé, on dit pendant 6 ans. D'une certaine manière, peut-être c'est un stage de l'apprentissage de la liberté en côtoyant justement la vie des uns et des autres. Bon, après, comment ça s'applique de façon concrète, il faudrait réfléchir. Mais enfin, la Torah, elle dit, au bout de 6 ans, la 7e année, il faut libérer les esclaves. Et donc, dans le récit de Jérémie, les esclaves, les serviteurs, sont libérés la 7e année. Voilà, les hommes, les femmes sont libérés. Alors, Jérémie se réjouit de ça, parce que vraiment le peuple a accompli la volonté de Dieu qui est mentionnée au début de la Parasha Mishpatim. Seulement, quelque temps après, les maîtres, les propriétaires récupèrent leurs serviteurs et leurs servantes. Et là, Jérémie se met en colère, c'est au nom de Dieu, parce qu'ils ont trahi cette parole de Dieu de libérer, puisque c'est au nom du Dieu libérateur qu'on doit libérer tout homme, parce que la dignité de l'homme, c'est sa liberté. Comment est-ce possible qu'on a récupéré les serviteurs, les servantes, les esclaves? Eh bien parce que si on ne donne pas à l'esclave, à la servante,
la possibilité de son autonomie économique, eh bien, elle va revenir à la situation antérieure. Elle n'a pas les moyens de vivre. Or, la Torah dira dans le Deutéronome, dans un autre passage, que lorsque tu vas libérer ton serviteur, ta servante, tu ne les renverras pas les mains libres, mais tu leur donneras de quoi assumer leur liberté. On dit « En kemach en Torah », comme dans les Pirkei Avot. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de spiritualité. Il faut d'abord assurer la dignité de l'homme. Et c'est quoi la dignité de l'homme? La dignité de l'homme, c'est de pouvoir satisfaire les trois grands principes vitaux, manger, s'habiller et se loger. Alors ça veut dire que celui qui a le pouvoir, celui qui est nanti, qui a les moyens, eh bien, il est responsable vis-à-vis d'autrui. Et la Bible ne connaît pas tellement la responsabilité au niveau. Bien sûr, il y a aussi la responsabilité des dirigeants, incontestablement. Mais il y a aussi la responsabilité des individus, des citoyens, essayer d'aider le prochain. La plus grande tzedaka qu'on peut faire, si on peut le faire, c'est de trouver un travail pour quelqu'un, de façon à ce qu'il puisse manger, se vêtir, se loger. Et donc, nous voyons aussi qu'il y a des revendications qui sont tout à fait légitimes. Et que le prophète Jérémie se met vraiment en colère. Il dit, ben voilà, à cause de ça, à cause des injustices, eh bien, le roi de Babylone viendra et détruira Jérusalem. Donc, c'est très, très grave. Une société qui est malade à cause de l'injustice, elle finit par s'écrouler. Donc, vous voyez comment la Torah, elle nous demande de tenir à la fois sur les principes d'amour du prochain, même de l'ennemi. On retrouvera aussi dans les évangiles d'aimer les ennemis. On voit déjà la Torah, elle annonce cela. C'est-à-dire d'aider le prochain et d'un autre côté, de donner à celui qui n'a pas les moyens la dignité de sa liberté. Voilà, c'est un peu l'esprit de la Torah qu'on doit essayer de traduire dans sa vie individuelle ou quel que soit le degré de pouvoir que nous avons dans le monde, essayer d'appliquer cela. Voilà, pour essayer de donner surtout une plus grande espérance, un esprit de paix entre les hommes et l'esprit d'amour qui doit régner entre les hommes. Voilà, c'est une petite réflexion d'après Shabbat. De ce Shabbat Mishpatim 5779. Shavua Tov, bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.